quantitative easing for the people. Au lieu de donner aux banques, qui devraient toutes être en faillite frauduleuse, les banques sont toutes en faillite frauduleuse, mais dans des proportions gigantesques. Les banques sont exposées aux produits dérivés, qui sont des produits hyper spéculatifs, volatiles, hyper dangereux, par dizaines de milliers de milliards, une variation de 1%, ça n'arrête pas de monter parce que les banques centrales leur donnent du pognon pour générer une inflation des titres, mais c'est que pour eux, c'est que pour le casino l'inflation là. C'est parce que l'argent de la banque n'est donné qu'au malfrat du casino de la bourse. Au malfrat du casino de la bourse. Mais c'est un... Et tout ça en nous endettant pour des générations. Et en ruinant les États et dans les services.